Waouh! Bonjour! Bonjour et bienvenue sur cette 33e VOD MOMOE avec Virus. On continue notre aventure sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Voilà, et je me suis encore une fois de plus pavotré en donnant toutes ces informations. Bien sûr, on va continuer. On devait rentrer à Soul Cave, pour. Je ne sais plus. Si, c'est pour aider Chi-Han à récupérer des matériaux. Donc on va faire ça. On va bien voir. Ah, ça fait un moment que nous n'avons pas été dans un donjon pour aller chercher des matériaux. Bah, c'est-à-dire qu'on a été pas mal occupé avec toutes ces choses. Et maintenant que j'y pense, c'est dans une caverne comme celle-là que nous avons rencontré Afchan. Mais en plus, je n'aurais jamais cru que je voyagerais avec une déesse. Maintenant, tu as un groupe colérique de 4 DS. C'est comme un groupe de cheat. Je suppose que étant une déesse, c'est ce qui m'a surpris le plus. Ah, Aif-chan, c'est méchant. Et quel est ce monstre que nous cherchons? Comme un petit peu tous les monstres que nous cherchons, finalement. C'est tout dans le fond là-bas. Ah, c'est mieux que d'être dans je vais avoir du mal à l'expliquer, donc on va passer et on va continuer plutôt le pitch parce que sinon ça va durer encore 3 heures. Oui, ça les rend plus faciles à identifier. Le dernier jeu auquel j'ai joué avait un boss sous l'eau qui m'a pris un temps infini à le trouver. Je n'aimerais pas qu'on avoir ce genre de problème dans la vraie vie. Vel-sama est plutôt bonne pour comparer les choses avec des jeux. Elle est une gameuse jusqu'au plus profond de son âme, je suppose. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vraiment fait un donjon comme ça, hein? Enfin, longtemps. Ça, on se comprend, mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un petit donjon. Et ça, c'est cool. Donc, entre deux, on se sera bien sûr un petit peu équipé, hein. On va pas laisser des mauvaises choses se produire. Ah, du coup, c'est compliqué. Bon, bah tant pis. Un par un. Voilà, parfait. Bon, il rapporte pas beaucoup d'XP par contre, hein. C'est assez violent. Allez, toi, viens là. Murata! Je te tiens. Ice Lizard. Est-ce que je peux combiner les deux là? Est-ce que je peux arriver à attaquer les deux en même temps?
Ah, ça va être compliqué, je pense. Bon bah tant pis. Je vais buter celui-ci en premier. Ou pas. Alors là par contre c'est sûr je peux avoir les deux. Oui c'est normal qu'il heal finalement. C'est un petit peu ce que j'avais prévu. Putain, ils font mal, hein. Ouh, Martial B. Ça, c'est cool. Eh ben... On récupère pas mal d'items hein, sur la route et des plans surtout. Et ça c'est cool. Les plans c'est ce qu'il y a de mieux. Alors on me demande si demain je stream. Eh ben oui demain je stream. Demain c'est mardi. Normalement. Et demain c'est bien sûr le live de Robin de Buesan. Donc oui, je stream demain, oui. Ah, petit event. Alors, peut-être ici ou encore par ici. Hey, monster. Hey, sors de là. Sors de ta cachette. Ah, t'as l'air tellement énergique. Tu n'es jamais fatigué, n'est-ce pas? Ah, j'étais vachement fatigué avant, mais je suis plus du tout fatigué maintenant. C'est étrange. Oh, mais tu t'es aventuré tout ce temps. Tu devrais avoir plus d'endurance que naturellement plus d'endurance. Moi aussi, je suis encore... je suis super bien aussi. Avec toutes ces victoires avant, maintenant tu ressembles beaucoup plus à une déesse. Hein. Ah, nous avons été honorés par les combats. Donc je suis beaucoup mieux qu'avant, Noir. Très bien, donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se reposer ici. Pourquoi tu n'irais pas chercher les matériaux pour nous? Dis donc, Noir-san, est-ce que par hasard je vous donnerai une mauvaise impression? Non, mais tu dis que tu te sentais mieux maintenant, ça devrait être beaucoup mieux, non? Facile, non? Ah, et je n'aurais jamais cru qu'un jour... un jour Noir me trash-talkerait. Aïe-chan, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir ici un moment? Bel-sama, qu'est-ce qui se passe? Regarde ça, ça a l'air d'être fait par la main de l'homme, mais est-ce que tu sais ce que c'est? Bah c'est... Eh, tout le monde, venez par ici, rapidement. Pourquoi tu cries, Aichan? Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Ah, mais on dirait que j'ai déjà vu ça quelque part.
mais j'arrive pas à me rappeler. Ah, vous n'avez rien à attendre de moi de toute façon puisque je n'ai pas de mémoire, puisque je n'ai perdu la mémoire en premier lieu. Ah, je suis pas surprise que aucune d'entre vous ne s'en souvienne. Et de quoi tu parles ? On dirait que c'est le même piédestal où le fragment de clé était à Planète Une. Ah, je suppose que ouais, ça y ressemble. Ah, tu vois ce petit renfoncement, celui que nous avons à Planète Une devrait sans doute pouvoir y rentrer. Mais nous n'avons pas celui qui va dedans. Je suppose qu'il a été pris par Magicon. Aifetan, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que le fragment a été pris? Bah, je peux pas vraiment le dire comme ça de but en blanc, mais ouais, je dirais que ça a l'air que ça fait un moment. Ah ouais, si ça avait été récent, peut-être que Magicon aurait pu être dans le coin. Merci Dark Wooder du compliment, c'est gentil. Ben. Eh ben allons-y, la première chose, la première chose à faire serait d'avoir les matériaux pour Tianz. Voilà, et donc ça c'est cool. Oh, il est rose celui-là. C'est bien, ouais, il commence à changer de couleur. Bon, c'était pas vraiment un problème. Et maintenant, on a du mithril. Bah, yonk. Ça va, c'est pas trop... pas trop violent. Des graines bleues. Éventuellement. Muretta. Alors. Voilà. Ça se passe bien. Oui, je pense qu'on peut résumer ça comme ça aussi. Ah, c'est compliqué. Il y a moyen d'avoir les deux, c'est sûr. Maintenant, faut être un minimum précis. Ah là 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 là. Oui. C'est pas mal ça, hein. Du coup, on n'a pas été ni par là, ni au bout.
Je sais pas ce qui serait le mieux. On va d'abord aller par là, on va bien voir. Et voilà. Et lui, c'est fait. Oh là là, il y a plein de capacités spéciales du coup que j'ai pas encore pensé à utiliser de la part des personnages. Alors d'accord, donc c'était par ici. Donc en fait on va retourner un petit peu en arrière, voir... Ah bah oui d'accord, ok, ça faisait le tour. Très bien, très bien. Oh. Et cet ennemi là est toujours un petit peu plus coriace, donc ça c'est une bonne idée. Non, 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 c'est sûr qu'il y a moyen d'avoir les deux en même temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Exit damage, ok. Wood staff. Wouah, bah oui, il est mieux. On prend ça. Ça valait donc carrément le coup d'aller là. Hein. Et du coup, on sauvegarde. Et du coup, toi, tu me lâches, voilà, parce que moi, j'ai un event. Hein. Monsieur. Ouais, j'ai trouvé le monstre. Et donc c'est ça le monstre. Il a l'air vachement fort. Ah, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on est beaucoup trop nombreux pour lui. Nous avons juste besoin de le frapper. Ah, et en pensant à ça, finalement, je me dis que c'est qu'on a l'air beaucoup plus des méchants cette fois-ci. Ouais, bon, je vais te le laisser, Noir. Ah bah moi aussi, je te laisse faire. Ah, si Nepe Nepe passe son tour, alors moi aussi. Ah, moi aussi je devrais passer mon tour. Ah, si Eftian passe son tour, alors c'est certain que je ferai exactement la même chose. Je suis désolé, assistant, considère ça comme un concours de circonstances. Bon, hey, ça va tous là. Puis arrête de m'appeler assistant. Ah, on était juste en train de te taquiner. Allez, allons-y tous ensemble. Ça va être rapide. Ça va être rapide, je pense. Bon, très bien. Bon, ces deux-là. Ah mais il est très bien ce bâton, je l'aime beaucoup. Nepe nepe ni shite yan yo.
Du coup, je vais attaquer celui-là. Le mieux, ce serait de détruire celui-ci en premier. Vert, elle a pris cher aussi, hein, mais en toute logique, voilà, ça pose pas vraiment de problème. Ah, Noir avait raison. Les attaquer tous en même temps, attaquer ces pauvres monstres tout en même temps, était vachement fun et cool. J'ai jamais dit ça aussi méchamment que ce que tu le dis. Si t'as un problème avec moi, je peux te défier quand je le veux, hein, tu sais. Je suis toujours en train de chercher un moyen d'avoir du fun. Mais Noir, est-ce que tu seras en colère? En colère? Non, pas du tout. J'ai juste cette urgente envie de te mettre des aubergines dans la bouche. Non, ça n'est plus une blague maintenant, faut arrêter ça. Ces deux-là partent encore n'importe comment, comme toujours. Compa, est-ce que tu as eu le minerai? Je pense que Xian sera contente avec autant dans ses mains. Et voilà, mais du coup, on a terminé cet event. Et écoutez, puisque la semaine dernière, on vous avait eu des épisodes plutôt longs, on va faire des épisodes un peu plus courts. Je pense que ça va ravir ceux qui n'aiment pas regarder des épisodes trop longs. Et ceux qui n'aiment pas les épisodes trop courts, malheureusement, on en fera des un peu plus longs dans d'autres VOD. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette 33e VOD Moemoe avec Virus sur Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine VOD, éventuellement en live. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce vers un commentaire ou à partager la vidéo si vous l'avez aimé. On se retrouve très bientôt. Passez un bon moment, et passez un bon moment également sur Twitch si vous venez me voir en live, et éventuellement suivez-moi sur Twitter si vous souhaitez avoir des nouvelles. Voilà, allez, je vous fais encore une fois plein de poutous, et surtout hashtag Amour Viril.